D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici en Ituri, effectivement pour une première visite. Visite ordonnancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Ituri. Ensuite, la deuxième mission, au-delà de l'évaluation, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. Et à tout le peuple itourien qui n'a que trop souffert des insécurités ici depuis plus de 20 ans. Et pour finir, nous avons cette question qui concerne l'état de siège où nous voulons éradiquer ces forces négatives et ces forces terroristes et faire une demande à ce qu'il y ait une reddition des armes, surtout pour nos jeunes dont nous ne voulons pas voir la vie être perdue inutilement. Déjà ici, nous allons faire une évaluation avec monsieur le gouverneur militaire ici sur cette question. Mais comme vous le savez, depuis peu, nous avons le comité du programme PDDRCS. Et donc, ça va faire partie de leur première mission de venir ici pour d'abord faire une évaluation de la situation. Et par la suite, vraiment, il y aura une prise en charge. Ça fait partie de nos priorités parce que nous estimons qu'en même temps que nous menons ces batailles, cette guerre contre les forces négatives, en même temps, nous devons nous occuper de nos compatriotes qui veulent retourner à la vie civile.